Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite recette d'une boisson que j'adore en ce moment, qui est le lait d'or, le Golden Latte. Donc c'est une potion magique ayurvédique, j'adore. Donc notamment pendant cette période automne-hiver, on a besoin vraiment de cocooning, de chaleur, de douceur, voilà, un peu tout ça. Donc en fait, l'ingrédient principal de cette boisson est le curcuma. Donc le curcuma, c'est une petite racine. Donc j'en ai ici, je l'ai déjà un peu prédécoupée. Donc hop, si je refais les deux bouts, donc c'est une racine qui est à peu près voilà comme ça. Donc la mienne, donc celle-ci est un peu petite, à peu près voilà. Et donc à l'intérieur, c'est une belle et magnifique couleur orange. Donc ça tache, attention. Donc si on en a sur les doigts, ça part difficilement. Voilà, et sur les habits également. Si vous souhaitez aussi, d'un temps qu'à faire, apporter un peu de joie, de soleil dans vos recettes, même par exemple dans un houmous, vous pouvez rajouter du curcuma. Du coup, vous aurez un beau houmous d'une couleur orange et je trouve ça assez sympathique. Ça sera même peut-être, ça donnera un peu plus de chaleur. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc en fait, le curcuma est très utilisé en médecine chinoise et indienne pour ses propriétés antioxydantes. C'est aussi un anti-inflammatoire naturel puissant pour lutter contre les douleurs articulaires et musculaires. Donc vraiment, c'est le top du top au niveau santé. Donc le lait d'or en lui-même, parce qu'on va rajouter d'autres ingrédients, en lui-même, avec tous les autres ingrédients rajoutés, va être un antiseptique naturel. Donc il va aider à renforcer nos défenses immunitaires, à lutter contre le stress, à favoriser la digestion et détoxifier le foie. Voilà. Donc en fait, le curcuma qu'on va utiliser dans le Golden Latte, donc dans ce lait d'or, c'est un curcuma en poudre. Quand on utilise un curcuma en poudre, le corps ne l'assimile pas, n'assimile pas tous les bienfaits. Du coup, on va lui rajouter d'autres ingrédients pour que la synergie, les autres ingrédients vont faire en sorte que la synergie avec le curcuma facilite l'absorption et va optimiser les principes antioxydants. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc en fait, on va rajouter d'autres ingrédients pour que le curcuma fasse du bien dans notre corps. Voilà, fasse son travail. En gros, c'est ça. Et donc, ces deux ingrédients, ou un au moins un ingrédient, c'est le poivre. Le poivre, c'est lui qui va faire exploser cet anti-inflammatoire dans le corps. Donc c'est lui qui va aider le corps à assimiler les bienfaits du curcuma. Donc le poivre fraîchement moulu, très important. Et moi je rajoute encore un peu de gingembre parce que je trouve ça très bon pour le goût. Puis en plus ça réchauffe encore plus et ça donne un petit peu de piquant. Voilà. Ensuite la curcumine est liposoluble, c'est-à-dire, attention, qu'elle ne se dilue que dans un corps gras. Voilà. Donc, ici, moi, j'ai choisi de l'huile de coco parce que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Je l'utilise vraiment pour tout, autant sur la peau que dans les recettes. Alors, c'est une huile qui est assez lourde, qui est un peu grasse, enfin, comme toutes les huiles. Hein, mais bon, il y en a qui ne supportent pas forcément. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de gros soucis. On peut utiliser du ghee, c'est-à-dire du beurre clarifié. Bon, moi, j'en ai pas. On peut en faire soi-même, mais après, c'est un peu plus compliqué. On peut en acheter aussi, hein, on en trouve en magasin bio. Mais voilà, en tout cas, moi, l'huile de coco, je trouve que c'est quand même très, très bien. Voilà. Et ensuite, bien sûr, forcément, il nous faut un lait végétal. Donc, le lait végétal que moi, j'ai choisi, c'est du lait de riz. Il y a aussi du lait d'avoine. Du lait d'amande, bref, il y a toutes sortes de lait végétal. Moi, le lait de riz, en fait, il n'est pas trop sucré, il a un bon goût et voilà. On peut le faire avec du lait de vache, j'ai jamais essayé. Alors apparemment, donc, si on utilise du lait de vache, il faut le faire bouillir et ensuite il faut le filtrer pour enlever toute cette pellicule grasse qui remonte lorsque ça boue. Bon voilà, après, je n'ai jamais fait, donc... Le lait végétal, c'est l'occasion d'essayer et puis de changer un petit peu ses habitudes. Voilà, voilà. Donc, le Golden Latte, revenons à notre recette, se passe en deux phases. Tout d'abord, on va créer une pâte de curcuma. Cette pâte, on peut la conserver au frigo pendant à peu près un mois. Du coup, on peut en faire une cure. Donc,
si on oublie d'en boire tous les jours, c'est pas grave, mais si on veut en boire régulièrement en ce moment, vaut mieux faire cette pâte. Après, je vous montrerai, il y a une façon de faire aussi, si par exemple, c'est juste un jour comme ça, oh si je me faisais un golden latte aujourd'hui, mais je n'ai pas de pâte de curcuma, ou. Donc, on va voir tout simplement comment faire notre golden latte express. Donc, c'est parti. Alors, il nous faut, pour la pâte de curcuma, il nous faut donc 30 g de curcuma. Alors, les épices, si possible, curcuma, gingembre, bref, tout. Bio, c'est quand même beaucoup mieux. Donc moi j'ai un beau curcuma magnifique ramené d'Inde. Donc je vous dis pas le truc, ça sent hyper bon. C'est vraiment cette couleur est vraiment splendide. Quand on voit le temps qu'il fait dehors, ça apporte vraiment du soleil dans la maison. Voilà. Alors je verse 30 g de curcuma. Hop, donc pour une fois je fais pas au pif. Hein. D'habitude je verse un peu au pif, mais bon. Voilà, tac, encore un peu plus, hop, et voilà. Donc nous avons 30 g de curcuma que je garde dans ma petite casserole. Hop, je vais la garder ici tant qu'à faire. Ensuite, on va rajouter à peu près une demi-cuillère à café de poivre. Bon, bah là, je vais faire un peu au pif, hein. Je vois à peu près ce que ça donne. Surtout, j'en ai plus beaucoup, donc j'espère que ça va suffire. Comme d'habitude, il fallait toujours qu'il y ait quelque chose. Voilà, voilà. Bon, je pense que là, c'est pas mal. Donc, en fait, une demi-cuillère à café de poivre. Voilà. Et ensuite, on va rajouter 100 ml d'eau. Donc, moi, j'ai de l'eau filtrée. Bon, après, si vous n'avez pas d'eau filtrée, c'est pas grave. Vous pouvez laisser aussi reposer l'eau, hein, prendre de l'eau, la laisser reposer quelques heures. Et puis, du coup, hop, c'est pas mal. Ensuite, on va mettre notre petite casserole avec nos 30 g de curcuma, notre demi-cuillère à café de poivre et notre 100 ml d'eau sur le feu. Alors on touille et ça va aller très très vite parce que ça va former assez rapidement une pâte. Alors il ne faut pas que ça reste liquide, donc je vais vous montrer. Ça chauffe assez rapidement, donc pas besoin de mettre le feu à fond hein, parce que ça va bouillir. Hop. Donc c'est assez rapide. Tac. En attendant, bah je vais préparer mon curcuma, mon gingembre, pardon. Hop, alors j'ai un ustensile hyper pratique, c'est un presse-ail. C'est top pour l'ail et notamment pour le gingembre. Hop, je mets dedans. Et donc du coup, hop, je vais pouvoir presser mon gingembre. J'ai préparé mon petit pot, donc un petit pot en verre pour mettre notre curcuma. Donc attention parce que ça épaissit assez rapidement. Tac. Bon, en attendant, je vais vous chercher l'autre que j'ai pour pas que ça dure trop longtemps. Hop, et voilà. Donc en fait, pendant que ça cuit, ça va vous donner cette belle pâte de curcuma. Vous voyez ? Oula, c'est en train de chauffer en attendant. Quand je dis faut pas bouillir, forcément, je le fais bouillir. Donc on touille, hein. Ça va aller. Hop, ça fait un peu une purée pour l'instant. On continue de touiller. Hop. Alors faut vraiment faire touiller assez régulièrement parce que ça colle. Ça peut cramer même. Parce qu'une fois que c'est parti, ça continue de chauffer et c'est raté. Ça serait dommage pour ce beau curcuma. Voilà. Tac. Ok. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est très rapide, il faut à peine 5 minutes pour faire cette pâte. Donc franchement, hop, je coupe, voilà. Donc vous pouvez le voir, hein, ça a le même aspect que ce que je vous ai montré. Voici cette belle pâte de curcuma. En plus, ça sent hyper bon. Rien qu'à voir la couleur, j'adore. Oh, ce orange est magnifique, vraiment magnifique. Alors, je prends mon pot, je mets ma pâte dedans. Voilà, hop. Tac. Et
Et j'attends que ça refroidisse et je la laisse au frigo pendant, je peux la laisser pendant un mois au frigo. Après, si j'ai envie de me faire dans la foulée un golden latte, je peux. Donc là, je vais m'en faire un pour vous montrer. Donc je reprends une casserole. Vous pouvez le faire dans la même que celui que vous avez utilisé avant de la pâte. Ensuite, j'ai pris un verre parce que je voulais vous montrer la belle couleur que ça faisait que ça fait à la fin. Comme quoi, ça donne tellement envie. Donc, prenez une belle tasse, hein, votre tasse favorite. Tac. Donc voilà, ça ira très bien. Donc, je verse le lait végétal dans ma casserole. Hop, j'allume le feu. Voilà. Ensuite, on va mettre une cuillère à café. Oh, bah, il y a Kawette qui se joint à nous, tiens. Ouh, super. Petit golden latte. Donc une cuillère à café de pâte de curcuma que je mélange dans mon lait. Donc j'ai mis une bonne cuillère là. Voilà. Ensuite, on va mettre un petit peu d'huile de coco. Donc pas beaucoup, hein, pas besoin d'en mettre énormément. Ça peut être une demi-cuillère. Moi j'en mets pas trop. Hein. Une demi-cuillère à café de huile de coco. On mélange jusqu'à ce que l'huile fonde et jusqu'à ce que la pâte de curcuma fonde avec le lait. Et ensuite, je vais rajouter mon gingembre pressé. Donc moi j'adore le gingembre. Voilà, du coup vous mettez vraiment selon votre goût, hein. Voilà. On mélange. Alors, vous pouvez rajouter de la cardamome, vous pouvez rajouter de la cannelle. Vraiment, c'est, de toute façon, ce sera bon. Voilà. Ensuite, donc, on attend que ça chauffe jusqu'à ce que tout fonde. Et après, vous pouvez boire votre lait. En attendant, je vais vous expliquer comment faire un golden latte express. C'est très simple. Vous reprenez donc du lait végétal que vous mesurez dans votre tasse. Ensuite, vous versez le lait végétal dans la casserole. Vous faites tout à la minute, c'est-à-dire que vous rajoutez une cuillère à café de curcuma directement. Ensuite, vous prenez un peu d'huile de coco dans le lait végétal avec le curcuma, hop, vous faites quelques tours de moulin de poivre. Vous pouvez rajouter du gingembre, de la cannelle. Et voilà, vous avez votre golden latte express sans la pâte de curcuma. Donc la pâte, c'est quand même sympa de la faire parce que du coup, vous l'avez à disposition quand vous le souhaitez en fait. Donc voilà. Et voilà, donc mon golden latte est prêt. Il est chaud. Je vais le verser dans ma tasse. Regardez-moi cette couleur magnifique. J'adore. C'est excellent. Voilà, donc du soleil dans la maison. Oh là là. C'est vraiment, vraiment très, très bon. Moi j'adore, donc n'hésitez pas à rajouter si vous avez envie un peu de miel ou si vous êtes vegan, vous pouvez mettre du sirop d'érable, ce que vous voulez pour sucrer, mais je trouve que le lait végétal est quand même top, hein. T'as vu Kawette, génial, voilà. Bon, et ben à consommer sans modération. Bon lait d'or, golden milk, golden latte, pardon. Et puis bonne dégustation et puis je vous dis à très très vite pour une nouvelle séance de yoga. Gardez le sourire intérieur, gardez cette belle couleur au niveau de votre cœur, dans votre corps, soyez lumineux, lumineuse et à très très vite. Namasté.